Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans le JT de la grosse émission, beaucoup d'actu. Très peu d'infos. On ouvre tout de suite ce journal avec l'événement du jour. Un homme d'affaires des Émirats Arabes Unis vient de s'offrir une plaque d'immatriculation à 4 millions d'euros. Ce qui fait 4 plaques pour une seule plaque. Hein. On peut donc dire que l'homme d'affaires n'en a pas fait une. Une plaque? Non, une affaire. Attendez, parce que là, du coup, vous appelez comment, vous? Sylvie. Très bien, Sylvie. Ici, c'est moi qui fais les jeux de mots. Très bien? Merci. Ambiance. Clash! Des manifestants ont envoyé des œufs sur Emmanuel Macron, venu dévoiler un nouveau timbre. Voilà, regardez. Ils lui ont donc envoyé tous leurs meilleurs œufs pour l'année qui vient. Leurs meilleurs œufs. Leurs meilleurs œufs, leurs meilleurs vœux. Oh la vache, ayant les jeux de mots, c'est pas votre truc, vous, hein? Visiblement, à vous non plus, c'est pas votre truc, hein? Aqua Boulevard! La Seine commence enfin à redescendre. Une bonne nouvelle pour Mimimati, qui va pouvoir enfin remonter dessus. Politique! À Rome, la candidate du parti anti-parti est en tête au municipal. Ah bah du coup, elle est contre elle? Oui, et elle espère bien qu'elle va perdre. Ah, bon, on lui souhaite bonne chance, du coup. Ah bah oui, enfin... Non. Ah ben non, on lui souhaite mauvaise chance. Ah oui, parce que du coup. Qu'elle se débrouille, hein, parce que moi j'y comprends rien de toute façon. Calmez-vous. Calmez-vous. Oh, bah allez, faut se calmer un petit peu. Vous avez pris vos médicaments? Mais non, parce que vous savez bien, je supporte pas les suppos. Mais c'était des ampoules! Tennis! Djokovic est devenu le roi de la Terre. Ah merde! Ah bah faut prévenir le docteur Gang. Attendez, qui ça, Patrick? Le méchant dans Inspecteur Gadget. Parce que lui aussi, il a pour projet de conquérir la Terre. Donc là, au niveau des projets, ça fait doublon. Attendez, mais vous allez pas l'appeler, maintenant. Ah bah oui, c'est vrai, c'est con. Je vais lui envoyer un texto, plutôt. Attendez, vous voulez lui envoyer un texto avec ça? Ouais. Mais vous allez être hors forfait, là, Patrick. Bonne nouvelle. Ouest France se montre rassurant sur les tragiques événements survenus dernièrement. Accident mortel. Plus de peur que de mal. Très très bien. Effectivement, Patrick, nous voilà donc bien rassurés. Mesure. Ségolène Royal veut des sirènes dans toutes les villes inondables. Sirènes? Je suis complètement idiot. Ah bon? Elles vont aller où, les sirènes, quand il n'y aura plus de flotte? Ah bah ouais, du coup. On va les mettre dans des bocaux, des sirènes. Mais ça, des sirènes. Je le dis depuis le départ, il aurait fallu plus des licornes. Alors là, je vois pas du tout le rapport. Hein. Ah bah merde, j'avais posé là. Ah! Il est là, pardon, chez moi. C'est bon, il est là. Je le pose là, on saura où il est. Et ça fera une bonne vanne. Police! Non, pas taper. Non, mais pas police, pas la taper. Non, le titre, police. Ah, très bien. Leur barque prend l'eau. Ils deviennent la risée du web. Alors que les forces de l'ordre reçoivent quotidiennement un entraînement, que dis-je, drastique, eh bien, sur place, nous avons Emmanuel, mon beau-frère. Emmanuel ? Oui, tout à fait, oui. C'est tout à fait, Patrick. Je suis actuellement vers l'entraînement des policiers. Aïe, aïe, aïe. Oui, alors je suis actuellement... Ils sont en train de s'entraîner. Alors comment se passe l'entraînement ? Attention. Apparemment, un entraînement assez difficile. Bougez pas, restez comme ça, bougez pas. Ah, oui. Là, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon. Ils sont très concentrés. Attention. J'ai pas pris. Une scène qui prêterait à rire si la vie de résident n'était pas menacée. Je l'ai sauvé, c'est bon. Il est sauvé. Voilà, c'était Emmanuel, mon beau-frère, en direct de vers l'entraînement des policiers qui sont en charge de vérifier si les gens ne sont pas piégés chez eux. Merci Emmanuel, mon beau-frère. Je vous en prie, Oui, c'est malheureusement la fin de notre journal. Hein. Effectivement. Merci de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'on est dans le même bateau que le ridicule ne tue pas. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Et smiley à vous.